Les atteintes liées à l'infection par Covid-19 sur le plan neurologique ne sont pas très fréquentes. Les deux plus connues sont l'anosmie, donc la perte de l'odorat, et l'agueusie, la perte du goût, que l'on apparente à une atteinte des voies neurologiques qui sont importantes pour ces deux sens. Et puis, plus rarement, il existe également des atteintes cognitives, des atteintes neurologiques centrales, avec un retard au retour à la conscience après un passage en réanimation, puisqu'en général, les personnes récupèrent sans séquelles au bout d'environ un mois après leur passage en réanimation, mais il existe certaines personnes qui restent légèrement confuses à distance de ce passage en réanimation. Est-ce que ces personnes avaient des facteurs prédisposants à ces troubles de la conscience ou pas? Cela dépend des cas, mais en tout cas c'est une piste possible, c'est-à-dire que chez les personnes les plus âgées, on pourrait s'interroger sur l'existence d'une maladie neurologique sous-jacente qui n'était pas connue, comme une maladie d'Alzheimer par exemple.